financer un matériel médical ou dentaire, le professionnel de santé peut choisir entre l'allocation financière, le crédit amortissable et le crédit bail. L'allocation financière présente des avantages si vous souhaitez être toujours à la pointe de la technologie et que vous ne souhaitez pas être propriétaire de votre matériel. Un exemple, la technologie des caméras d'empreintes optiques intraorales pour le chirurgien dentiste évolue très rapidement et dans ce cas, l'allocation financière est recommandée pour toujours pratiquer avec du matériel dernier cri. L'un des principaux avantages de la location financière, c'est la possible évolution du financement en cours de location. Dès le départ du contrat, vous avez la possibilité de faire évoluer votre matériel dentaire ou médical, par exemple en ajoutant des accessoires, en upgradant le matériel ou même en ajoutant un poste de travail supplémentaire. Cette évolution a donc un impact sur votre loyer qui est ajusté sur la durée restante. Pour bénéficier de cette injonction, vous devez contacter le vendeur du matériel. À la fin du contrat, deux possibilités s'offrent à vous. Si vous êtes toujours satisfait de votre matériel, vous pouvez prolonger la location sans modification du loyer. Si vous n'avez plus besoin du matériel ou que ce dernier est devenu obsolète, le loueur reprend simplement le matériel et les loyers s'arrêtent. Cette restitution vous évite d'une part de chercher un acheteur et d'autre part les contraintes habituelles de recyclage. Concrètement, avec la location financière, vous êtes locataire sur une durée définie dès le début du contrat, mais sans obligation après cette date. En crédit bail, vous devenez propriétaire du matériel moyennant une option d'achat fixée à la signature du contrat. La location financière est généralement proposée sur une durée de 2 à 5 ans pour des matériels innovants dont les évolutions techniques sont fréquentes. La location financière vous permet d'inclure dans le loyer des services associés ou même le coût de vos logiciels. Avec le crédit amortissable, vous êtes immédiatement propriétaire du matériel et votre contrat est figé jusqu'à la fin. Le crédit bail est assez comparable à la location financière, à la différence notable qu'avec le crédit bail, vous devenez propriétaire du matériel à la fin du contrat. En location financière, une fois le contrat terminé, vous restituez le matériel devenu bien souvent obsolète et vous pouvez bénéficier de nouveaux équipements conformes à la réglementation et à la pointe de la technologie. Avec la location, vous maîtrisez et lissez votre trésorerie. Comme un crédit bail, la location financière est comptabilisée en charge et non en investissement. Le matériel n'est pas immobilisé et les loyers sont des charges déductibles. La location financière n'a donc pas d'impact au bilan et votre capacité d'endettement est préservée. Fiscalement, en tant que locataire, vous ne payez pas la TVA en une seule fois, mais au fur et à mesure sur les loyers facturés par le loueur.